Quindi io darei a questo punto la parola a Karima Delì. Grazie. Bonjour à toutes et à tous. Alors je parle français, je ne sais pas parler italien. Alors je vais essayer de parler doucement. Pour que vous puissiez comprendre. Je suis très contente vraiment d'être avec vous, parce que souvent, lorsqu'on parle de l'Europe, on dit toujours « Oh, ils sont dans leurs institutions, ils ne viennent pas nous voir. » Alors aujourd'hui, je suis là pour plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il est vrai qu'on se voit souvent à Bruxelles, et j'avais promis de venir, et je suis là. Merci. Penso che mi serviate anche senza il microfono. Karima Delì ha detto che è contenta di essere qua perché sovente si pensa alle istituzioni europee come qualcosa di lontano che non ha mai contatti con la gente e quindi invece insomma, ci dimostra che così non è. Quindi ci sono alcune ragioni per cui lei è qua. Je voudrais vous dire que la France comme l'Italie ont un très gros défi à relever, c'est notamment la question du climat et du réchauffement climatique. On ne peut pas aujourd'hui avoir deux pays qui s'engagent dans la COP21 et commencer à pousser des grands projets pharaoniques. Quindi la prima questione è che Francia e Italia hanno un'enorme sfida da affrontare ed è i cambiamenti climatici e tutto quello che ne consegue e quindi non è possibile che due paesi che si impegnano nella COP21 continuino a portare avanti dei progetti faraonici. Nous sommes deux pays voisins, deux pays amis. Nous devrions avoir les mêmes objectifs. Siamo due paesi amici, due paesi vicini, dovremmo avere gli stessi obiettivi. Je suis là parce que je ne comprends pas pourquoi on s'entête dans un projet qui ne verra le jour que dans 20 ans, alors qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'avoir justement des alternatives. Et je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit on est opposant. Nous ne sommes pas des opposants au Lyon-Turin. Nous sommes des intervenants qui proposent autre chose. Nous sommes dans la proposition. Nous ne sommes pas contre. Nous sommes pour une alternative. Ça, c'est important de le dire. Je ne sono qua oggi. Perché non capisco perché ci si intestardisce in questo tipo di progetto e nel momento in cui invece c'è bisogno di proporre altre cose. Quindi non sono d'accordo quando veniamo definiti oppositori perché noi non siamo oppositori a qualcosa, noi siamo nell'ambito del proporre qualcosa di diverso. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce projet? Ce projet est un projet qui est daté depuis très longtemps. Le 21e siècle, ce n'est pas le gigantisme. Le 21e siècle, c'est la proximité, mais de faire avec les habitants, avec les citoyens. Et je remercie tous les maires qui sont là dans la salle, parce que c'est le niveau local qui permet l'attractivité des territoires, et notamment la vie
democratique. Prima di tutto questo progetto è vecchio, ha troppi anni alle spalle da quando è stato concepito. Il XXI secolo non è il secolo del gigantismo, ma quello della prossimità. E quindi lei ringrazia in particolare i sindaci presenti in sala, perché è il livello locale quello che permette veramente di fare dei progressi, il livello locale di comunità. Depuis des années, le monde et la société a évolué. Lorsqu'on parle du ferroviaire, il faut regarder également comment la nature et le poids des marchandises a évolué. Qu'est-ce qu'on se rend compte de quoi? Que le flux de marchandises s'est considérablement réduit. Quindi in questi anni il mondo si è avuto un'evoluzione e in particolare sul lato ferroviario bisogna considerare i cambiamenti di natura e di peso, di quantità delle merci, e non si può altro che dire che sono estremamente ridotte. E donc nous sommes à un moment où ce Lyon-Turin ne correspond pas du tout avec l'évolution de la société. Siamo giunti al momento in cui questo progetto del Torino non corrisponde più alla necessità di trasporto che c'è al momento. Et donc la situation a changé, nous avons une baisse considérable du flux de marchandises, mais nous avons d'autres problèmes, notamment la situation climatique, elle, qui n'a pas baissé. Quindi la situazione è cambiata, se da un lato abbiamo una diminuzione nel trasporto delle merci, abbiamo altri problemi che sono invece normalmente aumentati, diventati più importanti, primo fra tutti la situazione climatica. En plus d'être un projet pharaonique, c'est surtout un gouffre financier. In più, qualsiasi progetto faraonico è innanzitutto un grosso problema finanziario. La facture s'envole. La fattura di questi progetti lievita senza limite. On est passé de chiffres que nous avons reçus de 12 milliards à l'origine, le coût global, et désormais on parle de plus de 26 milliards d'euros. Siamo passati da un costo iniziale di 12 miliardi previsto e siamo ormai oltre i 26 miliardi. Per tutta l'opera. Oui, de l'ensemble global. Mais si vous mettez seulement un tunnel, vous ne pouvez rien faire. Certo, si parla di un costo dell'opera nella sua globalità, ma se si fa soltanto il tunnel non si va da nessuna parte. Et ce qui est très difficile à comprendre dans ce projet, c'est que depuis des années, nous avons des rapports très sérieux, et ça, Monsieur Daniel Ibanez les connaît par cœur, depuis 1998, toutes les études indépendantes, sérieuses, même la dernière en date de la Cour des comptes européenne, dit ce projet 1 est trop coûteux. Donc c'est une aberration économique. Ce projet est une aberration, et on reviendra sur ça, mais sanitaire. Quelqu'un tout à l'heure parlera notamment des effets sur l'eau. Des effets sur l'eau. Et donc qui dit l'eau dit impact sur la nature, mais impact sur la santé des gens.
Et c'est une aberration démocratique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à force de donner des études qui disent le contraire qu'on ne peut pas financer, pourquoi on s'entête à le faire ? À quoi servent nos organismes qui nous disent que nous n'avons pas l'argent et que ça ne créera pas d'emplois ? Rimane difficile capire come dopo anni e anni ci siano tanti rapporti seri e dopo il 1998 il rapporto della Corte Europea dicono tutti che questo progetto è un'aberrazione da diversi punti di vista, costa troppo innanzitutto, provoca problemi sanitari e collegati al drenaggio di acqua, alla perdita di acque. Quindi la perdita di acqua che porterebbe questo progetto ha riflessi sia sulla salute umana sia sulla natura, sull'ambiente. Ed è un'aberrazione anche dal punto di vista democratico, perché ci si chiede a cosa servono questi organismi di controllo che continuano a dire che ci sono tutti questi problemi se poi non vengono ascoltati. Allora, on a fait le bilan, je ne vais pas faire tous les arguments parce que tout le monde va en parler, avec beaucoup plus de technicité. Moi je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument demander le gel, et moi je suis plus sur un moratoire sur ce projet, pour dire, il est grand temps de porter une autre solution. La solution est très simple, il faut absolument utiliser l'existant. On peut utiliser l'existant dès lundi. On laisse le dimanche pour se reposer. On peut tout de suite utiliser l'existant. C'est maintenant que tout se joue. Nous sommes pour le report modal. Nous sommes pour que les camions aillent sur le rail. Mais pas dans 15 ans, pas dans 20 ans, maintenant. Ça en va pour notamment notre planète, mais l'avenir de nos générations. On ne va pas attendre 15 ans pour dire « Ah, mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Et on va dire « On a laissé construire un tunnel ?» C'est hors de question. L'existant, il est là. L'existant, aujourd'hui, il est là. C'est possible de l'utiliser. Et qu'on ne me dise pas, parce que j'ai demandé à des spécialistes ce matin, souvent on me dit non, mais c'est pas possible parce que justement il y a une pente. Vous savez, et les camions c'est trop lourd pour la pente. Mais quand on regarde la pente, c'est 30 pour 1000. Mais c'est 30 pour 1000 pour combien ? Sur le trajet. Vous savez, c'est combien ? C'est 500 mètres. 500 mètres. Et donc on est capable, justement sur ces 500 mètres, bien sûr, de mettre en place une alternative et de faire en sorte qu'on ait des motrices qui viennent justement les pousser. Et donc c'est ça qu'il faut faire. Donc je termine parce qu'on me dit que je n'ai pas beaucoup de temps, hein. Très sérieux. Je demande au gouvernement français, comme au gouvernement italien, tout de suite, un moratoire sur ce projet, maintenant. La deuxième chose, je voudrais qu'on comprenne qu'il est grand temps de s'appuyer sur les études indépendantes qui existent depuis 1998, quitte à refaire une nouvelle étude indépendante. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et la troisième chose, et ça c'est mon devoir en tant que présidente de la commission transport, j'aimerais beaucoup travailler avec les ministres français et italiens
puisqu'une partie du projet est financée au niveau européen. Mais j'aimerais aussi que le président de la commission de transport du Sénat italien, comme le président de la commission de transport, alors on dit assemblée du développement durable, mais on a une assemblée aussi nationale au niveau italien, qu'on se rencontre et qu'on puisse justement remettre aussi à plat ce projet. Et de voir ensemble comment l'alternative peut être projetée rapidement, très rapidement, mais surtout qu'on ait un compromis de discussion. C'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, allons-y. En tout cas, merci pour votre invitation. Fatti i dovuti bilanci, bisogna a questo punto chiedere il congelamento, anzi vorrei essere più diretta, la moratoria su questo progetto. È il momento di utilizzare l'esistente, lo si può fare dal lunedì e quindi noi siamo a favore del rapporto modale, ma del riporto modale, ma non tra 15-20 anni, adesso, perché è possibile farlo adesso. Ne va a vantaggio del pianeta, del clima e anche di fronte alle future generazioni potremmo dire che ci siamo mossi subito e non tra un'altra generazione. Il dato tecnico della pendenza del 30 per 1000, sì, ma c'è su 100 metri di tratta, è sicuramente possibile risolvere questo problema. Quindi chiedo ai governi italiano e francese la moratoria su questo progetto. Chiedo, è il momento di prendere in considerazione gli studi indipendenti, eventualmente di farne di nuovi, ma che siano indipendenti. Terza cosa, vorrei veramente lavorare con i ministri dei trasporti italiani e francesi, con le commissioni dei trasporti del Senato. No, dagli l'altro microfono che funziona meglio.